Dans le pays d'Haïti, jeudi lundi 5 octobre 2021, c'est ouverture des tribunaux et ouverture des tribunaux. Ça a fait un moment de pile question qu'a posé sur le système justice là dans le pays d'Haïti et un moment tout que greffiers continuent à kembe un mouvement de grève pour réclamer meilleures conditions de travail. Et l'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, en pile réaction tombée après la mort de Grégory Saint-Hilaire. Un étudiant école normale supérieure qui perdu la ville en babal pendant un mouvement protestation. Étudiant yo accusé agent USGPN pour l'amosa. Jodi a c'est gros manifestation, caoutchouc a boulé, il y a plusieurs machines qui boulé, barricade. Donc et parmi machines ça yo il y a machine l'état. On a suivi ambiance là surtout avec réaction et déclaration papa victime. Nan. Oui, c'est papa Grégory. Si par exemple, c'était pas l'air de parler dans la bouche, ok, c'était pour papier qui était écrit de protocole d'accord. Ah bon, bon, moi je n'aime pas capable. Façon que, nouvelle là te paraît bizarre pour moi. Seulement, les mourir dans l'école là. Les mourir dans l'école là. Là, il t'a regardé, il dit ouais, la paix du jour pour l'école. Il dit, non, viens, petit comme stage de bail là. Il dit, papa, je me dégage, je suis sorti. Je suis sorti dans les vignes. Enfin, mon petit pièce là, dans la rue de Nivia. Je ne pas attendre des pièces, mon petit. Il n'y a aucune autorité. Parce que autorité parait les mains. C'était au monde, c'était sans avec le délire. Son semblé, son sans avec le délire. Je ne pas venir au grand monde qui rait les mains. Eh bien, son complot qui était bien monté pour lui. Comment ça s'est fait? Je dis, pour nous finir, et nous inviter là après chaque jour jusqu'à ce que Grégory enterré et après enterrement Grégory, nous continuer bataille et pour jusqu'on y a là réparation justice et nous même nous pas faire justice bataille oui justice réparation et nous connaissons le hashtag tué Grégory à papa Grégory et si vous m'avez continué à bataille manifestation pas blaguer. Il était aux environs de 3 heures, près de 4 heures, côté que nous avons discuté sur la question de l'intégration, parce que bon, le protocole accord qui s'est entre le ministère de l'Éducation nationale avec l'école normale supérieure, qui exige stage et puis intégration. Grégory Saint-Hilaire fait partie de la promotion 2013-2017 qui fait un stage qui était nommé depuis l'année dernière. Et mais c'est dans 4 batailles que nous avons menées pour l'intégration, que l'agent IGPN bat nos gaz lacrymogènes, et puis on quantité d'agents dans la barrière. Et c'est pendant que nous avons sorti la barrière derrière là, pour nous sauver pour nous, et bien, nous avons tiré sur Grégory, et Grégory on cartouche dans la colonne vertébrale. Et bien, les camarades de la fin de la balle là, nous avons continué à tirer, nous avons gaz lacrymogène dans l'idée pour ne pas se déplacer avec à l'hôpital. Les camarades de la fin auprès de 3 heures dans l'espace là, sans qu'ils ne soient pas jeunes soins, c'est après nous prenons une table, nous sommes obligés de porter les camarades là dans la veille l'hôpital général. L'ennemi de l'hôpital général n'a pas de médecin. Mais nous sommes jeunes, journaliste radio Kiskeya qui était prêt camarade la mettre dans la machine dans l'hôpital Benamuse. L'ennemi de l'hôpital Benamuse, camarade la mouri. La mort étudiant Grégory Saint-Hilaire, arrivé vendredi qui saute passé là, dans le moment où il a fait un mouvement protestation par rapport à un accord que le ministère de l'Éducation nationale a signé avec étudiants qui fait stage. Maman, t'es inconsolable en suivre déclaration maman avec l'autre membre famille qui est consterné devant la mosa. Mes amis, je me fais manger pour les bagues. Mais manger là, consommer là, même je ne vais pas arriver pour manger, papa. Je travaille, je ne vais pas quitter tout le monde quand je me lève pour me quitter pour me faire manger pour lui. Je me lève pour me faire chier pour me voir venir chercher manger pour Grégory manger. À 6h, je me suis dit, je dis, madame, elle boit de l'eau. Je me dis, pour qui ça, je ne sais pas. Je me dis, madame, c'est pour boire de l'eau. Je me dis, pour qui ça, pour boire de l'eau. Je me dis, je ne sais pas, mais je me dis, ça qui vient. Je me dis, pour tonton, je connais tonton plus petit qui saute là, je connais dans l'autre qui a quelques problèmes. Là, je me dis, je me dis, c'est Grégory qui a un problème. Je me dis, qui problème ni gagne. Je dis, c'est mourir dans l'école là. Je dis, dans l'école là, Grégory mourir, je dis, mourir. Je dis, non, qui ça? Non, qui ça, Grégory mourir? Je fais me connaître comme ça. C'est monter, mieux. Et puis, je tire.
Grégory. Et c'est dans la barrière à tout. Donc, les détirer et puis battre la vie. Oui, dans le matin, ils sont là. Dans le matin, ils sont là, ils sont bien propres. Ils sont là, ils sont bien propres. Ils ont tiré la 5 et l'après-midi. Dans notre réaction par rapport à la mort Grégory Saint-Hilaire, gagné la police avec toute la justice qui dit que vous pouvez mener une enquête pour capable faire lumière sous l'amosa qui vivait dans le local école normale supérieure. Gagné président Jovenel Moïse tout, beaucoup de parlent dans un tweet qui déplorait sa crivea et qui présentait sympathie devant ça le considérait que t'as coup yon décès. Mes amis, grand monde pas joué, mettre corvée et corps, attention pas capon, n'a toujours sous la voie de la mairie, suivre rendez-vous. Info, yon programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi sous la voie de l'Amérique. Toujours concernant l'actualité à nan pays d'Haïti, Haïti saute remporté yon gros victoire avec renouvellement Caribbean Basin Trade Partnership Act qui c'est CBTPA qui c'est loi sous partenariat commercial nan bassin Caraïbes là qui sont forme de marché libre dans Amérique là. Nan micro collaborateur nous Lionel Demarat, ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Hervé Denis présentait avantage renouvellement ça a gagné pour Haïti. Il parlait de environ 55 000 jobs. CBTPA a rapporté au moins 55 000 emplois en Haïti. Et ma petite parole, et avantage CBTPA a gagné. Son mal qui est énorme, malgré tout effort que nous faisons, et ça sera le deuxième point, pas nous mener au niveau d'Haïti. Malgré tout effort que nous faisons, c'est à peine 10% de avantage CBTPA que Haïti a obtenu. Alors imaginons que l'autre pays dans le Caraïbes a gagné moins encore, alors que son pièce de législation qui baille énormément d'avantages à la Caraïbe. Donc on est à la deuxième phase qui vient au renouvelé depuis 10 ans. Il faut qu'on ait un algoumé pour mettre une structure économique sous pied en Haïti et je souhaite également dans le CARICOM. Je fais parler avec un collègue de CARICOM. Je dis qu'il faut nous introduire ça dans le CARICOM pour nous faire comprendre quels avantages il gagne. Pour que nous soyons capables de mettre structure sous pied, pour nous capables de bénéficier le plus possible de avantages CBTPA. Actuellement, par exemple, nous avons l'autre concept d'un congrès américain et qui est un concept qui est bipartisan. C'est-à-dire que les Américains disent que ce qu'on appelle le nearshoring. C'est-à-dire que nous faisons business avec les pays qui sont proches de nous. Or, la Caraïbe représente la troisième frontière des États-Unis. Donc, ce qui fait que nous-mêmes, dans la Caraïbe, nous faisons positionner nous pour que ce n'est pas seulement
acheter des États-Unis, il faut être capable de vendre les États-Unis sous forme de service ou de bien. Donc, je pense que c'est BTPIA. C'est une meilleure opportunité pour Caraïbes là, qui est capable de relever la balance paiement avec les États-Unis. Et en Haïti même, potentiel qui est énorme, parce que Haïti a une capacité qui est énorme. Nous avons 12 millions d'habitants. Mm-hmm. Imaginez-vous si nous créons des emplois à travers et CBTPA. On a créé par exemple tous les papiers industriels. On a fabriqué des produits que actuellement nous avons produits dans les pays asiatiques, que nous sommes capables de produire ici, tout près des États-Unis, nearshoring, ça, M. Réléa. Mm-hmm. Donc imaginez combien d'emplois nous sommes capables de créer. Pour répondre directement à ce que je dis, en 2019, dans CBTPA seulement, nous faisons plus de 1 billion de dollars d'exportation, en Haïti seulement, avec 60 000 emplois que nous avons, près de 60 000. Imaginons si nous créons 300 000 emplois à travers CBTPA et nous avons créé même plus, ça vaut 10 millions à peu près, 10 milliards qu'on a créé. Donc, son avantage énorme, je ne dis pas que l'économie doit être basée seulement sur CBTPA. Mais qu'on y a, faut nous capables de ranger pour nous en Haïti, c'est de Haïti que moi je vous présente, pour nous capables vraiment tirer tous les avantages possibles de ces CBTPA en créant des conditions d'accueil de cela. Que ce soit au point de vue légal, que ce soit au point de vue structurel, infrastructurel, tout bas. Parce que l'on a produit, il faut des ports, faut des parcs industriels, faut des toute qualité bas. Dans le micro collaborateur nous, Lionel Demarat, c'était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Hervé Denis qui t'a porté précision sur CBTPA qui sont loi sur partenariat commercial dans le bassin Caraïbes et tant qu'on nous dit déjà qu'a porté environ 55 000 jobs et loi ça a tant de signature président Donald Trump et d'après ambassade d'Haïti dans Washington, c'est tout simplement une formalité parce qu'il est déjà passé dans la chambre des députés et dans le Sénat. Et puis toujours dans l'actualité à et famille présidentielle là en deuil, président Jovenel Moïse, père du papal qui c'était Étienne Moïse, il était gagné 95 ans, Joseph Jout premier ministre là avec Luis Abinader qui c'est président République Dominicaine et deux personnalités ça retrouvé parmi moun qui déjà présenté sympathie par président Jovenel Moïse et nous même dans service que là nous présenter tout condoléances nous par la famille présidentielle plus précisément avec le président Jovenel Moïse. Nous propose avant nous entrer dans l'actualité à ce plan international. 20 élections aux États-Unis, élection 2020, président Donald Trump dit qu'il n'y a pas qu'à attendre pour reprendre la campagne électorale là, alors que la recevoir soin pour COVID-19 là. Pendant ce temps, ancien vice-président Joe Biden trouve dans Miami, État Floride, côté que l'a rencontré avec la communauté haïtienne avec Hispanique. Jean-Robert Philippe Abdino Plus depuis Hyattsville dans l'État Maryland. Président Donald Trump n'a pas attendre pour quitter l'hôpital militaire Walter Reed, côté la recevoir soin depuis vendredi passé pour COVID-19 là. L'idée américain dit qu'il a besoin de retourner dans la Maison Blanche pour continuer la campagne électorale pour l'élection présidentielle 3 novembre 2020. Le président fait un vieux en bride sous coude dimanche 4 octobre là, devant l'hôpital militaire pour lui saluer et supporter l'UO. Tourner ça a fait après docteur président rapporté niveau oxygène dans son lit TBC en deux occasions. Docteur James Philippe qui fait partie personnel médical président pas d'accord avec décision pour président de faire vieux à cause risque élevé pour le transmettre virus là par chauffeur avec agent sécurité qui est en dedans machine. Que pas américain même genre avec leader mondial yo j'ai tourné sur façon président avec quelques membres dans environnement immédiatly tant que premier dame nan madame Trump a plutôt contre pandémie coronavirus là. Qui ont statut santé président capable de changer course pour la Maison Blanche moins que un mois avant déroulement élection 3 novembre. C'est une question observateur a posé. Dans une vidéo responsable publiée, leader américain fait qu'on est dit qu'on est bataille personnelle contre virus là avec une mission pour l'aider l'autre. But this was something that happened and it's happened to millions of people all over the world and I'm fighting for them. Not just in the US, I'm fighting for them all over the world. C'est un bagage qui arrive plusieurs millions de monde sur la planète là. Ma plité pour eux, pas seulement aux États-Unis, mais pour tout l'autre monde qui vit l'autre côté sur la planète là. Nous prenons le coronavirus là, quel que soit le nom ou l'île, nous prenons le battre tout bon vrai. Personnel médical président qui t'a parlé avec la presse dimanche 4 octobre là, a déclaré qu'il utilisait stéroïdes dexamétasone pour traiter président avec possibilité pour le retourner dans la Maison Blanche lundi 7 octobre là.
Selon les responsables de l'administration, il n'y a aucune disposition qui prend pour transmettre le pouvoir par le vice-président Mike Pence, même si toute capture est toujours sous table là. Maladie président arrivé dans un moment lui-même avec Rival Lia, ancien vice-président Joe Biden, entré dans la dernière semaine de campagne électorale là. Campagne électorale, ancien vice-président dit qu'il suspend toute publicité négative après le président annoncé qu'il était testé positif pour qu'on a vu ça vendredi passé. Débat entre vice-président Mike Pence avec candidat pour poste vice-président Parti démocrate, la sénatrice Kamala Harris, toujours fixé pour mercredi 7 octobre là. Plusieurs sondages qui fait révéler ancien vice-président Joe Biden a dominé président Trump au niveau national. Observateur pose question pour demander qui est en condition de santé président capable de changer la dynamique de la campagne là pendant reste semaine avant de l'élection. Maladie président forcé candidat Parti démocrate là, Joe Biden, a marché dans deux routes en même temps. Du côté souci pour santé président et l'autre là c'est leadership entre deux candidats. This is not a question of politics. This is a question of the president of the United States getting back to full health as soon as possible. And I think for our campaign, as I say, we're going to continue to make our case for ancien responsable campagne électorale, ancien vice-président Joe Biden, déclaré, c'est pas une question politique. Question est pour Epito avec le président des États-Unis que santé le doit établir plus vite possible. Mais campagne parti démocrate là, t'as comme on dit déjà, n'a continué à présenter style leadership, M. Biden, par électeur, pour expérience, habilité unique pour mettre le pays ensemble, pour gagner un point commun, pour gagner un consensus, pour bagailler, continuer à avancer. But also we've seen with Joe Biden, I mean, we can't all just stay in our basement for the rest of our lives. We have to get out there and live our lives and take this on, develop the vaccine, develop more therapeutics, and defeat it. Jason Miller, un conseiller au placé campagne Trump, a déclaré, président prend en pile précaution pendant lui montrer qu'il est un leader dans la lutte contre le coronavirus. Monsieur Miller a ajouté, tant qu'on Noël là, avec Joe Biden, moi je voulais dire, nous n'avons pas capable de chiter dans le sous-sol là pour tout le reste de vie. Nous devons sortir dans l'arrière pour nous continuer à vivre, affronter la maladie, développer le vaccin, développer plus de traitement et remporter la victoire sur le virus là. Pour président Trump, moment, tu as donné une opportunité pour le toucher électeur indécis qui est capable de faire une différence dans le résultat de l'élection. He needs to appeal to these undecided voters and coming out with a more compassionate tone, embracing the seriousness of this pandemic will certainly go a long way to swing over the people that have not made the decision. Avec un ton différent, accepter la pandémie comme une maladie grave, a certainement marché ensemble pour convaincre monde qui peut décider pour qui candidat à voter. Une bagarre qui est certain, personne ne pas connaît ça qui pourrait le passer dans ça qui était déjà une bataille serrée dans la course pour la Maison Blanche là. Nouvelle concernant l'élection, un juge dans Californie décidé, monde qui pas une carte pour y habiter, capable inscrit pour voter dans un côté, il passe plus de temps à vivre. Volontaire a commencé à réunir pour aider inscrit dans liste électorale là. Électeurs ont commencé à voter en masse par anticipation avant date l'élection 3 novembre là, depuis 10 septembre passé. Et d'après nouvelle lieu, dans l'État de Virginie, par exemple, quantité de monde qui déjà voté ou dépassé quantité de monde qui était déjà voté avant l'élection passée. Depuis le studio, nous, dans Hyattsville, dans l'État de Maryland, moi, c'est Jean-Aubert Philippe, la voix de l'Amérique. Merci, Jean-Aubert Philippe. Coronavirus toujours dans l'actualité, il y a un dossier.